septembre, épisode 5 de l'échappée belge. Tu te dis, non, de Dieu, combien d'épisodes il va mettre à avoir ces foutus Saléois? On va les avoir aujourd'hui. Laissez-moi un peu faire un petit rappel. Nous étions dans le stash. On a pas mal de trucs qui traînent. Et on avait fait un craft de Saléois que je viens d'aller récupérer. J'ai pas pensé à le faire en enregistrant, mais donc on a récupéré un Saléois ici de la Medstation. Mais nous ne sommes pas capables de crafter le Saléois suivant, puisqu'on n'a pas de moyen d'avoir un car kit. Si je vois les car kits ici, je ne peux pas les acheter. Et si je vais chez Thérapiste, que je vais dans car kit, il me faut un humbuck et je n'ai pas de humbuck. Alors peut-être qu'on peut avoir un humbuck si j'ai deux toothpaste. Et donc je pourrais faire deux dentifrices, me font un humbuck, me font un first aid kit, me font un Saléois. Là, on part un peu sur... tu vois, quand tu veux brancher un écran VGA dans une prise DVI, dans un HDMI, dans un port DisplayPort, et que t'as une allonge comme ça, c'est pas ça qu'on va faire. On va essayer de directement looter un car kit ou un Saléois directement. Mais je pense qu'on va tout doucement mettre la quête sur le côté et on va plutôt aller faire un scav sur Woods pour avoir ce truc-là rapidement. Essayer soit de trouver la bouffe, soit de trouver le car kit, soit de trouver le Saléois. Et puis après, on va probablement aller faire un PMC sur Ground Zero parce qu'on a encore quelques quêtes à faire. Si je regarde ici, je dois aller chercher du vin sur Ground Zero, c'est pas mal. Si je regarde Search Mission, ça c'est sur Woods, on pourra pas le faire en scav, mais tant pis, on ira le faire après. Ça c'est mes deux Saléois, on va remettre celui-ci. J'aurais pu ne pas le remettre et l'utiliser pour me soigner en fin de raid, mais c'est pas très grave, c'est pas très important. Ici on me demande de tuer 5 scavs sur Shoreline ou de trouver un Green Tea. On peut prendre le Green Tea et on va replace la quête Shoreline. Je perds 0-1, non, j'ai pas envie d'être à 0-2, on ne va pas le faire. On n'ira pas sur Shoreline aujourd'hui, donc tant pis, c'est pas grave. Fence me propose le marathon, tant pis. Mécanique, toujours Gunsmith, on va attendre un petit peu. C'est assez important de faire les Gunsmiths jusqu'au moins 5 assez vite. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt, je pense. Et donc, on la passe pour l'instant. Enfin, je l'ai, mais je ne la fais pas. Et enfin, survivre Woods. Ah, ça va peut-être me motiver à aller sur Woods. Surtout si j'espérais recevoir éventuellement un Saléois là-dedans. Des fois, tu reçois un objet de quête dans tes délits et ça, c'est vraiment sympa. Donc là, on va commencer très très rapidement à aller faire le Scav Woods. La raison pour laquelle on va sur Woods, vous la connaissez, je vais pas me répéter, on a fait ça à toutes les EB. On a de la bouffe, on a des meds, on fonce, on loot, on sort et on se retrouve directement dans le raid. Let's go! On est en raid, on a le son. Ça, vous devez pas tester, c'est moi qui teste parce que je suis un streamer. Donc je dois tester un peu l'audio. On a exactement le même spawn que la dernière fois à 2 mètres près. Et j'aime bien ce spawn parce qu'on est juste à côté du FOB et j'ai looté l'AK directement ici en faisant un alt-click. Si vous n'êtes pas au courant, alt-click ça va transférer vers votre équipement, contrôle-click ça va transférer vers votre... On dirait le mec dans Bruce Tout-Puissant. Contrôle-click transfère vers votre inventaire. Donc là j'ai équipé ça. Alors ça c'est un grave objet les gars, le XRSU. Il faut pas déconner avec ça. Et si tu le mets sur un gas tube d'AK, en vrai, je crois que si on trouve... Ah non, je pourrais pas parce que c'est en raid. Mais là-dessus, vous pouvez mettre un laser, deux lasers, une poignée, un petit scope et un grand scope. Laisse-moi te dire que le XRSU, si tu veux déplacer des mods, c'est vraiment le meilleur moyen. Alors, on est à 24 minutes de raid restante. Donc, je suis intimement persuadé que le FOB est looté. On va looter ça. On va foncer à la sawmill et puis à mon avis on va directement extract parce que si j'ai pas mon med ici je l'aurai pas au camp Yusek, ça sert à rien d'aller tout aussi loin. On peut rentrer par ici en dessous mais moi je suis pas un animal, je me couche pas par terre. Regarde ces belles chaussures. Donc, je vais rentrer par là et on a quand même looté dans la boîte une Kirasa, c'est une armure tier 3. Et c'est sympa à mon niveau de jeu, une armure tier 3 c'est plutôt fort. Ça a déjà été looté. On espère là qu'ils ont un pas pris un car kit ou deux carrément laissé un Saléois. C'est déjà bien, ils avaient oublié ce truc là. Celle-ci normalement c'est pas une medkit. Voilà, ration. On peut avoir un humbuck, hein, on sait jamais. Ou du dentifrice. Une grosse saucisse. Alors ceci les gars, si vous le saviez pas, ça c'est une cache, mais c'est pas une vraie cache, voilà. Oh ça, ça a pas été looté, c'est sûr. Medical supply, je sens qu'elle est pleine à craquer. Merde, ça a été looté. Chat, il manque une case, évidemment. J'ai pris le pile of meds, celui avec l'étoile.
Parce que ça, j'en ai besoin pour m'acheter la 206, mais je l'ai déjà, donc j'en ai pas besoin. Donc en fait, je pourrais l'acheter. On sait juste jamais, peut-être qu'il y a un craft qui pourrait m'intéresser. Je réfléchis un peu, mais on peut remplir nos hémostats avec ça. Ouais, ils ont quelqu'un à tout looter. Alors mon micro n'est pas branché sur le jeu. Donc si je croise un PMC, je peux pas lui faire « Bro, please, do you have Selewa found in raid ?» Je peux pas lui faire ça. Je sais pas pourquoi mon scav, il avait un accent Middle East et pas un accent russe. Mais voilà, c'est comme ça qu'il parle, mon scav. « Hello, do you have Selewa ?» Voilà, c'est ça l'accent que je voulais faire. Alors ça vaut vraiment rien, donc je me respecte, je vais pas le prendre. Ah, je me respecte, c'est un grand mot. Ah, c'est marrant, une des balles dans une technical supply crate. Tiens. C'est curieux, hein. Et toutes les boîtes ici, c'est celles qui sont tout le temps en fait. Celle-là, ça sert entre guillemets à rien de les regarder. SOST, ce sera pour monter mécanique, tu vois, parce qu'en vrai... Alors si vous m'avez déjà vu looter 45 fois ce campement, tapez tous. Campement dans le chat. Ouais, là on est vraiment triste les gars. On est vraiment triste. Ok. Alors il y a des endroits secrets pour avoir des meds les gars. Les endroits reclus que seuls les campeurs originels connaissent. Je vais vous les montrer. Si vous lootez des meds à cet endroit là, vous êtes juste le Ratus Maximus Decimus. J'ai plus été sur Woods que Jaeger. Sachez-le. Sachez-le. Alors vous avez remarqué que j'ai pris le toothpaste, c'est le dentifrice. Ça va me permettre d'avoir un humback qui va me permettre d'avoir un car kit. Donc là, j'ai déjà un car kit chat. C'est-à-dire que si je trouve un car kit, j'ai techniquement mon Selewa. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement trouver un Selewa. Regardez, je vais vous montrer le chat. Vous allez vous dire, j'ai jamais vu ces med spawns de ma vie. C'est un truc de fou. J'espère que... Ils sont jamais lootés. Tu peux venir avant le raid, après le raid, pendant le raid. Tu peux venir durant Tarkov 2. Tu peux venir à la sortie de GTA 6. Il y aura toujours des meds à ces endroits. Enfin, pas toujours, mais ils ont peut-être pas été lootés, quoi. Le premier spot, c'est la tente ici. C'est la tente que tu lootes seulement quand t'es à ton premier wipe. Ça, c'est la tente du premier wipe, les gars. Tu la lootes quand t'es un débutant et que t'as tellement peur de woods que tu longes les murs ici comme ça. On l'a tous fait. Et là, tu peux avoir des meds un peu ici. On va regarder attentivement. Alors, on a le jus de Vita. Et on a rien. C'est pas très grave. Deuxième option, chat. Vous descendez la colline, vous faites comme la Gold Spider, là, vous vous mettez sur vos pattes et vous roulez. Putain, pour les trois personnes qui ont la ref, pas les botanistes, mais les arachnologistes parmi vous. C'est la Gold Spider qu'elle s'appelle, j'ai oublié. C'est une petite araignée très transparente du désert qui roule pour fuir comme ça. Vous voyez de quoi je parle ou pas, chat? Bah ouais, on fait un peu de biologie sur le stream aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, sûr. Alors ici, là, il peut y avoir du loot aussi. Nikita s'est trompé. À la place d'avoir mis du loot, il a mis rien. Et là, dans la traînée ici, vous savez que moi j'adore ça, la traînée, on peut aussi avoir des soins et des boissons. D'ailleurs, Charles aussi, il aime bien la traînée, d'après ce qu'il m'avait dit. Il n'y a pas grand-chose. Le Ratus Decimus Maximus n'a pas... c'est pas ouf. C'est pas ouf, chat. Le fait qu'il n'y ait pas le moindre item, ça me fait un peu mal au cœur. Ah, on a un vieux sneakers. Vous voyez que je racontais pas des cracks. On est vraiment dans la merde. Ah, on a encore du boudin. Putain, un truc de fou, ça. Chat. Bon. Jeune homme. Option suivante. Là, des meds, il y en a, mais c'est pas foufifou. Ok, on va tenter la 100 000. Golden Wheel Spider. C'est pas le chat qui me le dit, je me rappelle. C'est la Golden Wheel Spider. Mettez Golden Wheel Spider sur YouTube.
Et vous verrez ce que je veux dire quand il faut descendre ça en dégringolant. On va retrouver la saucisse de Charles dans la traînée, comme dit dans le chat. Les gars, vous allez tout de suite commencer par vous calmer. On va commencer par ça, et ensuite, ouais, probablement. Le sneakers qui a mieux survécu que l'avion, ouais. Désolé, j'avais promis que je lisais pas le chat pendant les épisodes d'Échappée Belge, et que je me focalisais sur vous, les viewers YouTube. Et pour l'instant, je fais défaut à ma promesse. La raison pour laquelle je vais vers le bruit, c'est que je m'en fous un peu de ce que j'ai sur moi. En vrai, j'ai le toothpaste qui m'intéresse un peu. Mais... je vis dangereusement. Il y a L1 pour samples. Ah oui, c'est vrai que j'ai le L1 pour le samples. Ouais, ouais, ok, on a un objet de quête sur nous quand même. Vous avez une quête échantillon. Qui vient chez Peacekeeper, qui vous demande plein de stimulants, et le L1 en fait partie. C'était un PMC ça, il avait un gros sac. Non, c'est un scav. Enfin, mais il se comporte. Il se comporte un peu comme un joueur, mais... enfin, complètement comme un joueur, mais... ouais, il s'est bien fait niquer. J'ai pas osé tirer pour le karma. Ah, je peux pas lui dire s'il y a des saléois. Je vais attendre qu'il ait fini de looter pour lui demander si je peux looter. Je vais prendre les restes. Ah putain, il prend tout, hein. Chat. Je vais lui... Il faut que je trouve un moyen de lui demander un saléwa. Attends, on va essayer de trouver... sans micro. Ouais, on va mettre... Ah, il a clairement un saléwa. Il a une tête à avoir un saléwa. Good job. Ah. Blood set, ça m'intéresse. Sausage, ça m'intéresse pas. Le jus de vita. Bon, ouais, ça c'est des balles. M'en fous. Ça, c'est un loot pour qu'il me tire dessus, non? Moi, il me faut ça, moi. Ouais, voilà. Ça, c'est la dangerosité en scave. Donc, on a spawn de manière assez classique à la gate RUAF, ici en bas. Et on a été looter la caisse. Et puis, on a foncé faire tout le FOB. Le FOB n'a pas porté ses fruits plus que ça. Donc, on a été faire la tente magique qui est ici. Qui n'a pas porté ses fruits non plus. Donc on a été faire l'avion avec toute la traînée ici, et puis on est reparti là, et on a été dans la grande sawmill qui est là. On n'a évidemment pas resté dedans, on a vu que le PMC s'était fait tuer ici. On a donc été voir, comme bon rat que nous sommes, le loot qu'il y avait. On a senti un peu l'odeur du loot, et on s'est fait tuer grosso modo juste à côté ici, là où notre run a pris fin. On va donc immédiatement continuer et se faire un petit run PMC. À base de rapapapap, on va le faire avec une PP19. La PP19, c'est l'arme de l'avenir. Attendez, on va juste vendre à skieur ceci. Et je vais peut-être même lui vendre... Est-ce que je peux vendre à Ragman, ça? On va vendre à Ragman pour faire du cash.
Et donc là maintenant, moi ce que je veux voir, c'est si je crois qu'il me reste un cobra. Voilà, je peux mettre le cobra sur la PP19 et voilà. J'ai maintenant une arme full modée, chat. On a une Kiraza qu'on va équiper. On va réparer chez Prapor. On va choper un vieux rig comme ceci. Un vieux sac comme ceci. On peut pas équiper ce casque-là avec ce casque-ci. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je préfère avoir un casque audio plutôt que un casque de protection. Et maintenant, on va prendre deux chargeurs. Bah, je vais simplement unload celui-là et unload celui-là. Bong bong. On va vérifier les balles. On va prendre quelques balles de réserve. Et on va aussi prendre du soin. Honnêtement, je me tâte à faire ceci, quoi. Je vais pas vous mentir. Comme ça, ça fait heavy bleed, light bleed, soin et fracture. Ça fait tout. Le seul inconvénient, c'est que, en fait, si je fais ceci, ceci, et que je trouve quelque chose pour faire les soins, mais j'en ai pas, en fait. J'ai pas de soins normaux. J'ai pas un... Ah, j'ai un Salewa. Ok, on va faire ça. Voilà. Ça, ça revient à la même chose que ce que j'ai là. Sauf que ici, j'ai pas 1800 de réserve. Mais par contre, si je trouve un gros objet, je peux sortir un tiers de mon putsch. Et c'est pour ça que j'aime bien ça. Et je pense qu'on va s'en sortir comme ça. On va pas essayer de looter beaucoup. On va essayer de looter vite. Et on avait déjà fait l'extract de voiture, si je me trompe pas. Donc, on peut aller directement sur Grand Zero, qui se trouve ici. On va aller le matin. On va assurer. Et on va partir. C'est parti. Alors, on est juste en dessous de... Enfin, on est juste à l'extract Mira Avenue qui est là. Et donc, il y a Emmercom qui est plus ou moins là où je vise. Et je vais looter un peu rapidos ce qu'il y a ici. Le sound s'il est en haut là. Je sais pas à quel point je pourrais. Je crois qu'il y a des spawn meds et bouffe sur les rebords, tu vois, mais j'ai pas envie de regarder vers la gauche alors qu'il y a potentiellement un mec à droite. Là il y a des clopes on dirait sur la boîte, sur le banc. Ça a l'air dégagé pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas des super bonnes balles. On n'a pas de casque. On n'a vraiment pas grand-chose pour nous, quoi. Ok, pas de car kit, pas de Salewa. Oh, ok, car kit horizontal, my bad. Bon bah là on est bien déjà. Ah non, on n'a pas extract le two space, on n'est pas si bien que ça. Il nous en faudrait deux. Deux ou bien un humbuck, ou bien un dentifrice, ou bien un Salewa. C'est pas mal. Ouch là. Il a raison. Un peu chier de risquer le Salewa qui est objectivement meilleur. Mais il est pas fort de mouette celui-là. Un peu risqué quand même de looter là.
Ok, pas grand chose d'autre ici, on dirait. Là, je me tâte à déjà sortir, mais... Parce qu'on est en train de vraiment galérer sur cette fucking Salewa. Ou même à aller là-bas dans les locaux. Il y a clairement des gars en train de se faire l'esclave et de se battre un peu. Alors ici, c'est la cave à vin pour la quête Luxurus machin chouette. Je connais pas les spawns par cœur du vin. Et à chaque fois, je passe une heure à aller chercher les gars, comme ça vous savez. Mais à chaque fois que moi j'ai eu le vin, il était dans la réserve. C'est pas mal. Il était ici à chaque fois que moi je l'ai eu. Ah, il est là. Yoink. Et vous voyez que c'est pas un objet qui vient ici, c'est un objet de quête, donc il est là. On a déjà fini une quête, on a un car kit. Je pourrais aller... Quelqu'un a déjà pris la voiture. Ça tire à Terra Group. Moi je vais extraire ça. On va essayer de prendre des wins un petit peu. On n'a pas besoin d'aller jouer plus que ça. Vous connaissez la règle du 50% de quelque chose, celle-là ça bouge pas. Je sais pas si ça fait 7 minutes que je suis sorti par contre. En raid. On va aller faire les med spawn là en face pour gagner un peu de temps. Je suis quasi sûr qu'on a l'XP. Et que normalement c'est bon. On n'a pas besoin qu'il soit Founding Raid celui-là en fait. Ça, ça a la valeur. Plus que ça et ça. L'Iskra il est pas mal. Et il y a deux medbags là en haut, je vais vite vous les montrer. Et puis on va extraire ici avec la flare. Et normalement avec les loots qu'on a fait, on aura eu l'XP. Et même si on n'a pas eu l'XP, je pense que ça fait quand même... quelques minutes qu'on est là. Et bon bah là on va avoir notre arc. Bah là maintenant c'est sûr qu'on a XP, on a fait 2 kills. Je pourrais aller les looter. Je pense que ce serait pas une mauvaise chose. Ça vaut de l'argent en début de wipe sur le market. Donc ici vous avez des chances d'avoir des medbags, il y en a un là. Et l'autre il a pas l'air d'avoir spawn mais il y a une caisse, non c'est pas la looter celle-là, ok. Je suis pas beaucoup grand de zéro. Ouais je m'en fous un peu. Ok. Bon du coup comme j'ai pas eu de truc intéressant, je vais aller faire mes deux petits scaves ici en bas. Le Toz, on l'avait déjà extract ou pas? Je me souviens plus. En doute, je vais le prendre. Wash, c'est pas mal. On aura Toz, Toz. Et peut-être ici un Salewa? Non. Le MP133 qu'on a déjà rendu puisqu'on l'a acheté chez Jaeger. Et on en a besoin pour Gunsmith aussi. On peut l'acheter donc c'est pas grave. Ok, et le herring. Ouais, ok. Je pense qu'on peut sortir comme ça.
vraiment tous les duffels que je trouve. Ah ça je pense que j'en ai besoin pour Gunsmith maintenant, je suis plus sûr. Je suis quasi sûr que non mais... Je préfère l'avoir et le jeter que... Je suis quasi sûr que j'en ai pas besoin. Hop, et là on est à Mira Avenue du coup. Je prends la green qui est encore là. Signal fer area. Il y a quelqu'un qui est juste là. Ok, il s'éloigne, je crois que c'est un scav qui court. On va faire la même chose que lui. Ok. Donc on a spawn juste devant la Mira Avenue, juste devant l'extract qui était ici. On a eu ce spawn là et on a looté rapidement le corps, le duffel, etc. Ce qui est un peu l'entrée de, je crois que c'est un hôtel, un truc comme ça. Et puis on est reparti, on a monté ici. Il vient de s'éteindre. Faudrait cut ici du coup. Et puis on est remonté et on est parti ici. Comme ça, aller looter la zone Emmercom. Dans cette zone-ci, il y a plein de meds et on en a eu... Un petit peu, on a eu un car kit, c'était bien, mais on n'a pas eu grand chose d'autre. Et là, j'ai hésité à justement aller dans le parking ici, traverser et remonter là pour aller looter les bureaux avec les meds. Mais comme il y avait des tirs, je n'ai pas fait ça. J'ai préféré du coup aller faire l'autre quête qui est d'aller chercher le vin qui se trouve là-dedans. Et donc j'ai traversé, je suis venu ici, tac, je suis rentré, j'ai pris mon vin et puis tout simplement on est reparti ici et on a extract à Mira Avenue. En voulant faire ça, on a entendu qu'il y avait des scavs. Ah non, 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 pardon. En voulant faire ça, on s'est dit, tiens, on n'a pas nos meds, on va quand même faire un petit peu de temps et on a looté les medbags qu'il y a là. On a tué deux scavs ici et puis on est reparti comme ça. Voilà, c'est ça qu'on avait fait exactement. Et on n'a pas eu beaucoup de meds, on n'a pas eu beaucoup de chance. On traîne un peu pour ces fichus Salewa, mais voilà, on n'a pas trop le choix pour l'instant. On continue, on progresse et on verra bien, on finira bien par les avoir. Au moins, on fait d'autres quêtes en même temps. Maintenant, on va faire une autre map sur laquelle il y a des Salewa et on peut aussi faire des quêtes. Et on finira bien par tomber dessus. Je vais directement aller remettre à Praport mon objet de quête, histoire de ne pas oublier de le faire et de le ramener en raid et puis éventuellement de le perdre. Voilà. Et maintenant, on va recevoir Background Check qui nous demande d'aller sur Customs pour la Bronze Pocket Watch. On a aussi sorti le... Ah, on n'avait pas fait l'extract voiture. Tiens, je pensais qu'on l'avait déjà fait. De toute façon, on est parti très très vite. Hein. Quelqu'un l'avait prise quasi immédiatement. Voilà, donc on a pris le TOS ici. Et je vois qu'on a encore la 3M, donc c'est qu'on n'a pas encore remis la quête forcément. Mais au moins on a le TOS et je vais le réparer pour pouvoir le remettre en quête. Et voilà, là on a un TOS, c'est parfait. On va contrôle-clic tout le reste, on a encore un Iskra dont on n'a absolument pas besoin. On a différentes choses, je vais juste garder le Salewa ici dans mes poches. Et je vais continuer à sortir mes petites balles tranquillement pour pouvoir jouer comme ça. Je pense que ça, c'est un bon petit kit. Moi, je pense qu'on va faire Search Mission sur Woods encore une fois. Et on va y aller avec un grand sac cette fois. On va tenter un peu le tout pour le tout. Mais ça, je pense que c'est pas mal comme option. On a vraiment de quoi tenir longtemps sur Woods ici. Je vais prendre même un plus grand rig. Si j'ai un azimut, je vais le prendre. J'en ai pas, donc je vais faire ça. Et on va ranger ceci comme ça. Le but ici... C'est vraiment de looter un max, donc j'ai pris plus de cases. On va essayer de faire un long raid Woods. Je sais que je joue beaucoup Woods, les gars, mais il n'y a rien à faire. Il nous faut de la bouffe, il nous faut des meds, et c'est un bon endroit pour les avoir. Vous pouvez aussi en avoir sur Streets, vous pouvez aussi en avoir sur d'autres maps. Il peut y avoir plein de Salewa un peu partout. Mais il s'avère que j'ai une quête qui me demande d'aller voir le camp Yusek et le convoi, et donc c'est là que je vais me retrouver. J'ai pas de quête qui me demande d'aller sur Streets, donc on va plutôt faire ça ici. Alors, on est... Je pense derrière le camp Yusek, mais je reconnais pas très bien, donc je dis peut-être des bêtises. Généralement, je fais confiance au jeu, mais je suis quasi sûr qu'on est juste devant le camp Yusek et qu'il est là devant moi, ici. Là, on va avoir une descente suivie d'une montée et on y sera. Il y avait une cache ici. Les caches, c'est vraiment banger, les gars. Moi, je suis pas vraiment un joueur cache. Je suis plutôt un joueur Dust2 ou Aztec, tu vois. Yo, si vous avez la ref, c'est bien. Non, je suis... pas trop un joueur cache, mais les caches c'est vraiment fort. Il faut juste aimer les looter quoi, ça c'est un peu une question de perspective. S'il vous plaît, mettez j'ai la ref en commentaire si vous avez la ref quoi. Alors à ce qui paraît ici, il y a une table pour un spawn Ledex ou je sais pas quoi, mais je l'ai jamais vu.
Tout ce que je veux, c'est mon petit Saléwa là. Hot ball boss. Ici, il faut bien regarder parce que c'est un peu bordélique. On voit pas forcément bien ce qu'il y a. Et des fois, on manque le stuff. Là, vous avez vu, je me suis mis derrière l'arbre. Comme ça, si jamais quelqu'un arrive en face, il me voit pas. Ça, c'est la très bonne balle. C'est de la warmage, on s'en fout. Le reste, j'ai pas pris parce que je sais que je vais m'encombrer. Ça, c'est vraiment nul. Je sais pas pourquoi je l'ai ramassé. On va le ranger ici. Ok, j'ai l'impression que ça a déjà été looté presque. C'est un truc de fou. Je serais pas 100% de chance le premier ici. Je suis en train de dire, mais ça a déjà été looté, c'est un truc de fou. Je suis en train de me plaindre et tout. Alors que je me plains jamais, tu vois. Non, mais là, c'est vraiment un truc de fou par contre. Je suis en scav ou pas, chat? Ça, j'en ai besoin pour une quête, ça pour des crafts. Ça, c'est un truc de fou. Ça, il faut le garder. Ça, ça vaut la peine de mourir et d'avoir perdu mon caloc. Ça, c'est un objet de quête dont j'ai besoin plus tard pour une quête dont j'ai oublié le nom. Mais je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode précédemment. Ça, ça vaut une trentaine de roubles. Et là, c'est la partie que j'aime pas looter parce qu'il y a un spawn en face de moi. Et en gros, s'il a rushé ici comme moi j'ai rushé derrière, on est plus ou moins au même stade, tu vois. Il n'y a pas l'air d'avoir de gold spawn ici. La raison pour laquelle je loot la tente depuis l'extérieur au maximum, c'est au cas où je me fais engager que je sois pas enfermé. J'en ai besoin pour une quête, ça aussi. Ça, je commence à les garder, mais je sais que j'en ai plus trop besoin. Je vais quand même bien checker le gold spawn ici. Non, ok, y a rien. Et là, on se casse, je vais pas être là-dedans. Quand la cavalerie arrive. Et vous voyez, je loot de loin et puis je me penche à gauche pendant l'animation, comme ça je suis bien caché. Ça, ça va être un marteau, enfin une masse. Est-ce que j'ai vraiment envie d'un truc qui pèse ce poids-là dans mon sac pendant tout le raid? On va le prendre, parce que je pense qu'on en a besoin pour... Mais en fait, ça prend beaucoup de place, tu vois. Ah, on n'a pas fait la... on a pas fait l'autre boîte. J'en aurais pas besoin for in raid. C'est très lourd. Et ça coûte pas très cher, je pense. Donc je pense qu'on va le jeter. Et on l'achètera sur le market le jour où on en a besoin. Là, j'ai à boire et à manger. C'est comme la foreuse, il me la faut pour... Voilà, là, on a fait search mission. Ok, c'est un peu bugué à cause du fait qu'il y a un coffre. Ce qui est chaud ici, c'est que tu peux avoir des gars qui arrivent de là ou de là, et c'est très facile de que même du coin de l'œil tu les remarques pas. La Whisper, je l'avais looté, ça, on en a ici. Ça, il en faut aussi quelques-unes for in raid pour une quête plus tard. Encore une lampe. Ouais, vas-y, pourquoi pas. C'est de la bonne balle aussi. C'est de la balle traçante en 762-51. Là, je regarde, il peut y avoir des gold spawn ici. Et là, bah voilà, là, il y a un petit rooster. Mais il nous faut un carré, donc on va faire ça. Et là, on va faire un petit inventory check. Alors, on va déjà unload un peu tout ce qui traîne. Je regarde un peu ce que je voudrais jeter. Ça, en fait, j'aimerais bien avoir
un shotgun pour mettre les attachments dessus ou un truc comme ça. Et là, c'est vrai que dans les grandes lignes, j'ai pas trop envie de jeter ce que j'ai sur moi. On va juste monter sur le rocher ici. J'ai 0% de chance d'avoir un Selewa dans ce rocher. Mais vous pouvez avoir au-dessus. Quand même une faible chance, mais sympa d'avoir une M4 modée. Vraiment pas très bonne, mais modée néanmoins. Et il faut savoir que le 5.56, c'est un calibre un peu difficile à jouer. Parce que à moins d'avoir une arme vraiment méta et super chère... Bon là, elle a pas spawn. Je sais plus si ça vaut de l'argent ça ou pas. Je pense que non. À moins d'avoir un M4 vraiment cher, c'est pas super rentable de le jouer. C'est vraiment nul ça, je pense. Faut pas le prendre. Maintenant, on va aller faire le convoi, puisqu'à la base, on vient pour faire Search Mission. Et le convoi, comme je l'avais dit la dernière fois, il est juste ici en face. Maintenant qu'on a la quête, on peut le faire. Et petit à petit, là, j'ai pas grand chose de vraiment intéressant dans mon sac. Et donc, je vais commencer à remplacer des objets que j'ai pris par des objets idéalement meilleurs, quoi. Ça, c'est une méthode de loot. C'est un peu chacun fait comme il veut. En début de raid, j'ai tendance à looter plus ou moins agressivement. C'est-à-dire que je prends des objets que je sais que je vais jeter. Et puis juste je les remplace petit à petit. D'autres personnes préfèrent ne rien looter et juste looter des objets qui se disent « Voilà, ceux-là je vais garder jusqu'à la fin du raid. » Et potentiellement du coup sont avec le sac vide beaucoup plus longtemps et donc sont beaucoup plus légers et ont plus de place. C'est vraiment pas une mauvaise méthode du tout. Hein. Moi, c'est plus ici. Si maintenant je veux partir et que je dois foncer à une extract pour une raison ou une autre, bah, j'ai au moins un peu d'argent sur moi. Mais là-dedans, il y a plein d'objets dont je voudrais me séparer, je pense. Ça, par exemple, on va commencer par dégager ça. Ça, je suis pas sûr d'avoir un wrench. Le hole, on l'a déjà ici, il nous en faut pas deux. Le prochain truc qui part, ça va probablement être le lait. Là, à mon avis, on va avoir des... Ah, c'est rare d'en avoir autant. Je vais prendre la paracorde. Et je vais prendre le hose. Il me faut aussi le screwdriver, mais... Tant pis. Il n'y avait pas aussi un body ici qu'on n'a pas fait ? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ok. J'imagine que j'ai Outskirts en extract. Ouais. Là, c'est la partie où je me dis, ok, est-ce que je vais jusqu'au FOB alors qu'il sera déjà looté, ou est-ce que je sors mon haul et je sors un peu d'argent. J'ai fait Search Mission, etc., etc. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là, je vais aller vers l'extract. On n'aura pas fait grand-chose. Mais faire des raids courts et efficaces comme ça, c'est pas si mal. Parce qu'on n'a pas eu le Salewa, mais... On a eu Search Mission. La game d'avant, on n'a pas eu le Salewa, mais on a fait Luxurious machin chouette. Et 10 balles par 10 balles, bah ça fait vite 50 balles, on avance, tu vois. On va juste me gratter, hop. Et donc pour revenir un peu aux méthodes de loot, moi j'ai tendance à prendre que les objets... mid-tier, on va dire. Alors là, ça tire devant moi. Je pense pas que ce soit un gars qui tirait vers le véhicule, mais ça a quand même claqué, donc je préférais être attentif. La raison pour laquelle je loot vraiment ici, moi, c'est pour me dire « Ah ben voilà, j'ai quelque chose et je peux faire un peu le point et je remplace. » Maintenant, ça dépend des games que je veux faire. C'est parce qu'ici, je sais que je veux faire des raids rapides et que du coup, si j'ai assez pour me donner envie de sortir, je le fais. Maintenant, il y a des raids où je rentre avec l'intention de rester 45 minutes. Et là, je ne loot pas des objets qui sont à moins de X de valeur, quoi. Il y a une autre chose importante à retenir. C'est que des fois, je vais favoriser des objets qui sont pas forcément plus chers, mais qui me permettent de monter un marchand sans devoir faire un tour de passe-passe chez le marchand en question.
puisque je me dis, ah bah tiens, si je vais avoir par exemple le full conditioner, je crois que j'en ai le... Pardon, le lait lyophilisé. Bon, ça, après, ça aussi. Mais le lait lyophilisé, j'aime bien le donner à Jaeger, même s'il rapporte plus à thérapeute. Et des fois, je vais favoriser ça plutôt que un pack de bonnes balles d'un calibre que je ne joue pas, par exemple, qui vaudrait aussi plus ou moins la même valeur. Mais réellement, le plus rentable, ce serait de toujours prendre l'objet qui a le plus de valeur. Et puis après, avec des roubles, si vraiment je veux monter Jaeger, j'achète 18 shotguns chez Jaeger et puis je les revends à Jaeger même. Et ça optimise le truc. Mais voilà, c'est pas forcément le plus optimal, mais c'est surtout le plus tranquille, quoi. À un moment, si on doit vraiment monter un marchand, qu'on a tout au max sauf la thune, oui, j'irai acheter et vendre quelque chose en boucle chez lui. Puisque je ferai deux fois, du coup, la transaction. Une fois pour l'acheter, une fois pour la vendre. Et donc un objet à 3K, je l'achète 3K, ça fait 3K de transactions. Et puis je le revends 2K, ça me fait 5K au total de transactions. Mais ça ne m'a coûté que 1K rouble. Juste un de ces joueurs qui n'aime pas trop passer du temps dans les menus. Et donc, je préfère directement vendre un truc à Jaeger plutôt que, comme je disais, faire un tour de passe-passe. Si, il y a souvent des mods, mais là, il n'y a rien. Et maintenant, on fait les tiroirs. Ça, c'est vraiment Gas Analyzer et toutes ces bêtises-là. Je crois que ça... déjà été fait, les petits gars. Ouais. Il en faut des broken G-phones. Je pense qu'on va se séparer de ces trucs-là. Hein. Il y a une chance qu'il reste un gas analyzer, hein, les gars. Il y a une chance. Parce qu'il vaut aussi du wipe, les gens ne le lootent plus. Parce que c'est pas un objet qui vaut forcément beaucoup d'argent. Et si tu n'as pas la quête, je suis quasi sûr qu'elle vaut rien. Je connais pas bien les... ces clés-là. Non, on va vite checker ici pour la violette. Ça a déjà été fait, la porte est ouverte. Par contre, on peut checker ici pour le medbag. Ah, une morphine. Allez, c'est parti. Là, il y a aussi un spawn med. Là, il y a un spawn med. Là, il y a un spawn med. Rien du tout. On s'en va. Et maintenant, il y a plein de détours que je pourrais faire. Et je vais en faire un seul. Parce que dans la sommeil, il y a quand même quelques med spawn, il y a un coffre. Il y a plein de chouettes trucs dans la sommeil. C'est pas le meilleur endroit du monde pour avoir du loot. Mais la prochaine quête qui va me bloquer, ce sera les clés USB. Donc je vais vite aller voir la tente ici. J'ai une cagoule ou pas? Ouais, j'ai une cagoule. Vous remarquez que je marche dans les trous. C'est pour simplement être moins visible, ça peut paraître évident. Mais ça me permet d'être discret, quoi. S'il y a quelqu'un qui vise là-bas depuis la montagne ou j'en sais rien. Il y a plein d'endroits où j'aurais pu être visible. C'est aussi pour ça que je sprint pas. C'est en partie pour garder ma stam, faire moins de bruit. Là, on a un sucre, mais j'ai plus de place. Rien du tout. On va le prendre, ça va être pour monter Jaeger. Et maintenant, on se casse. C'est dommage. C'est dommage. On va quand même voir là s'il n'y a pas un humpback pour faire l'échange du... car kit pour après faire le craft du Salewa. Là, je sprint un petit peu quand même. Est-ce que je loot le Death Cave ici? Est-ce qu'il a spawn déjà? Il a pas l'air d'avoir spawn. Est-ce qu'il est là ou derrière cet arbre là? A mon avis, si c'est déjà loot, c'est pour ça que je me suis permis de prendre le sucre. C'est que là, je suis plein à craquer.
Et c'est en effet déjà complètement dévalisé. Ok, on s'en fout. Ok, rien du tout. Maintenant on sort. Il y a un scav qui a step juste là. Il est là. Il a peut-être du stuff, hein, les gars. Bah, il a un triton, je vais le prendre et je vais le mettre ici. Il a deux chargeurs et peut-être... Rien, ok. Donc là, je fais ça et là, je contrôle-clique tout ici. Regardez, je fais ça et maintenant, j'ai 4 cases. Allez, hop. Voilà. Et du coup, je peux même faire ça, quoi. Comme ça, je peux reload. Je l'ai fait ? Oui, je l'ai fait. Je vais reload. J'ai tiré que 3-4 balles, mais je croise quelqu'un, ça peut faire la différence. Alors voilà la prochaine quête qu'on reçoit, mais à mon avis, le prochain raid qu'on va faire, on ira sur Customs. Mais ce sera à l'épisode suivant, à mon avis. On va quand même faire le débrief de cet épisode-ci. Là, il y a un petit scav. Je sais pas si je l'aurai ici avec mon skill légendaire. Je l'ai même pas touché. On va arrêter l'embarras et on va lancer Aim Labs pendant une demi-heure. Je vais blâmer le viseur et la balle. Alors je vais vous montrer un truc dans l'inventaire puisque quelqu'un sur Twitch a fait un commentaire intéressant et je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté les chargeurs du SCAV sans vérifier ce que c'était. Donc comme souvent on a eu le spawn qui est juste ici un peu au nord et on a dû courir, on a fait ceci, on a fait la petite cache qu'il y avait là d'ailleurs et on a fait tout le campement ici. On a fait 100% du campement, on n'a rien eu de vraiment excitant, on a été voir pour la M4 ici au-dessus, on a été voir dans toutes les caisses, on a tout fait. Et voilà, pas grand chose qu'on a pu avoir. Donc on a enchaîné et on a été faire le convoi. On est passé ici. On a fait le convoi et puis on a fait demi-tour. Et on a été, si je dis pas de bêtises, directement à la voiture. On est plutôt placé comme ça. On a fait la voiture. On a traversé ici comme ça dans les tranchées. On a fait la petite tente. Ensuite on a été par là, on a fait la petite maison. Et puis on est directement sorti à Outskirts. Je crois qu'on a fait littéralement aucun kill scav, si je dis pas de bêtises. On en a tué un, on a tué un ici qu'on a looté, mais c'était un run pour la quête. La quête était du coup ici au-dessus au convoi et au Yusek Camp. Il dit Praporstask, donc c'est vraiment ces deux-là qu'on a fait. C'était le focus de ce raid. Le but c'était de faire la quête et si possible avoir un Salewa. On a fait la quête, on ne l'a pas eu le Salewa, mais c'est pas grave. Je voulais pas que ce raid devienne un détour pour aller jusque tout ici, faire l'avion, la petite tente et le camp Yusek. Ça aurait été un énorme détour, on aurait pris beaucoup de risques. On aurait dû traverser une fois et potentiellement une deuxième fois par ici ou par là à la Sawmill. Ça aurait été un trajet beaucoup plus long pour très peu de chances que ceci soit encore disponible. Et donc j'ai choisi de ne pas le faire. On va remettre la quête, on va avoir une autre quête et peut-être qu'on aura le Salewa à un moment à cet endroit-là. Maintenant au niveau du raid, vous voyez que voilà, on a fait notre single kill, on a tiré quelques balles. Et on a looté quelques trucs. Mine de rien, on gagne de l'argent. On monte un peu les marchands. On est dans une progression qui n'est pas forcément rapide, mais qui est stable. Et c'est ça qui est important, c'est d'être régulier et de ne pas toujours vouloir en prendre plus pour au final, après, potentiellement juste échouer en boucle et se retrouver bloqué à vouloir faire des raids à 200% alors que faire plein de raids à 20-30%, c'est très bien. Là, maintenant, ici, je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté les chargeurs. Alors, dedans, il y avait de la 762 PS, si je me souviens bien. C'est vrai que maintenant que j'y pense, j'aurais pu la prendre puisque je ne suis pas capable de l'acheter. Et c'est de la bonne balle, la 762 PS. Je n'ai pas fait clic droit unload ammo. Alors en raid, c'est pas instantané, évidemment. Mais j'ai vérifié ce que c'était en ouvrant le chargeur et en baissant l'animation. Et tu vois que là, je reconnais qu'ici, c'est une balle avec un bout noir. Et c'est pas un dessin générique que tous les chargeurs sont comme ça. Si maintenant je mets une balle rose dedans, la balle ici sera rose. Vous voyez que ma balle ici toute seule, c'est bien une balle avec un bout noir. J'ai pas d'autres balles qui traînent ici de ce calibre là. Mais quand j'ai pris la 762, j'ai cru que c'était de la FMJ comme ça. Et donc je ne l'ai pas prise. Je suis quasi sûr que c'était de la FMJ, je vais pas vous mentir. C'était peut-être de la PS, mais
À mon avis, c'était de la FMJ. Et ça, ça me permet de 1. Ne pas devoir faire clic droit, unload, attendre que ça unload, voir la balle et la remettre dedans. Et surtout 2, j'avais plus de place, donc j'avais pas envie de le faire. Voilà. Ça, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris le chargeur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir faire un peu de rangement. Parce que là, on a beaucoup de trucs et on a beaucoup de choses qui nous servent à rien. Et on n'a plus de place, chat. On est plein à craquer. Je vais ranger mes 2 morphines dont j'ai besoin pour une quête. Je vais directement voir dans le hideout si je peux crafter quelque chose ou pas. Rien. Rien du tout. On a déjà fait le générateur, on a déjà fait tout ça. Ici, je pense que je pourrais pas. J'ai déjà un tuyau, mais il m'en faut 4. Il est dans mon sac, celui que j'ai ici. Donc c'est un peu compliqué. Et là, je pense qu'on a le hall. Donc on va le crafter maintenant. C'est pour ça que je l'avais putché. C'est pour ici pouvoir faire le lavatory. Parce qu'on aura besoin d'une lavatory niveau 2 à un moment pour crafter les chargeurs pour Ice Cream Cones. Donc là, ici, mon objectif, c'est d'avoir ça. Et du coup, d'avoir Water Collector niveau 1. Et donc d'avoir ça. Donc il me faut beaucoup de ces choses-là. Et évidemment, beaucoup de ceci aussi. Donc on va commencer à le mettre en prio. Ça, je vais le mettre en wishlist. Ça, je vais le mettre en wishlist. Et ça, je vais le mettre en wishlist. Pour montrer que j'en ai besoin. Et ici, toi... Tu l'es déjà, il m'en faut 5, on va le mettre en wishlist aussi, on va le mettre en wishlist, on va le mettre en wishlist et on va le mettre en wishlist, voilà. Je sais qu'ils sont déjà en wishlist, si vous regardez ici, automatiquement, ils sont mis avec le symbole hideout, mais j'ai pas envie de les mélanger avec les pièces dont j'ai besoin pour mon respect niveau 2, alors ce truc là en fait il me faut ça, plus ça et tout, genre... Tu vois, il y a quand même pas mal d'étapes avant que j'ai ça, ce qui m'intéresse maintenant en prio c'est ces deux là, et évidemment ici ceci... que je peux acheter chez le marchand. Et maintenant, on va pouvoir faire du modding. Et ça, ça va vraiment être très bien. Et on pourra aussi crafter les gaz analyzers si vraiment on en a besoin. Donc là, on a bien évolué. On a vraiment bien avancé. Mais on peut toujours pas crafter cet objet-là puisqu'on ne peut pas acheter de car kit. Je vais vérifier une ultime fois. Mais non, je ne peux pas l'acheter. Et non, je ne peux pas l'acheter. J'ai même utilisé pour crafter ma station. Donc on va remettre ici chez Praport la quête Search Mission. Et maintenant, on va aller faire, à mon avis, background check sur Customs. On a aussi survécu à Woods, donc on peut remettre cette quête-là chez Ragman. Qui va nous faire un petit peu avancer en roublé en XP. Pas quelque chose de particulièrement important, mais voilà, ça avance quand même un petit peu. Au niveau du rangement, je vais faire le rangement maintenant. Si vous voulez pas voir ça, parce que c'est quelque chose que vous savez faire tout seul, vous pouvez directement passer à l'épisode suivant. Je vous invite... Néanmoins, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire, à faire toutes ces belles choses-là. Moi, je vais commencer à ranger un petit peu ici et à vendre aux différents marchands. Alors, je veux être sûr de ce que je veux vendre. Ça, par exemple, je peux le trader pour un... On va vendre à Skier. On va vendre à Peacekeeper. J'ai pas beaucoup... Non, je veux des roubles. Je vais vendre à Skier les différentes choses que j'ai ici. Parce que je veux des roubles. Je veux absolument des roubles. Les chats, j'en ai besoin pour une quête plus tard. Ça, je les vends maintenant. Ça, je le garde. J'en ai besoin immédiatement. Et là, ça va être un peu compliqué. Il va tout doucement falloir focus. On va vendre aussi à Jaeger. Peut-être que je peux sortir ici. Ça, j'en ai besoin. Ça, je vais le garder. Ça, je peux les racheter. Je veux l'espace. Ça, tant pis. Ça part. Ça part. J'en aurai besoin dans longtemps. En vrai, ça part. Ça, j'en ai besoin pour... Non, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça, c'est pour la chaufferie. Ça, pareil, j'en aurai besoin dans longtemps. Ça, c'est pour le barter. Enfin, ça vaut genre 100k sur le market. J'exagère un peu, mais ça vaut beaucoup d'argent sur le market. Mais pour l'instant, je m'en fiche. J'ai trop besoin d'argent, donc je vends à Jaeger. Je sais que c'est très dur à vivre. Ça, il est pas fan in rate, donc je m'en fous. Ça, j'en ai besoin. Herring, je suis sûr que j'en ai besoin aussi. Ça, je vais garder tel quel. Ça me fait ça, ok. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ici ce que je pourrais ranger. Ça va être pour le barter. Pour le barter, je crois que j'ai déjà le sausage quelque part. On va garder aussi la paracorde. On va garder le sodium. Ça, on va vendre. J'en ai besoin pour la capa, mais en vrai, on compte pas faire la capa. Ça, on va vendre. Ça, on en a besoin pour une quête. On en a besoin pour la chaufferie, mais on en a déjà un ici. Je crois qu'il en faut 2. On va les ranger. Ça, on vend. Ça, c'est pour les crafts. Ça, on vend. Ça, on garde.
on vend, on garde, on garde, on vend, on garde, on garde. C'est des bonnes balles avec lesquelles j'aurais bien pouvoir jouer, mais... On va peut-être devoir s'en séparer. Ok, et maintenant, on va retourner chez ici. Disons, il est... Ouais, Thérapiste, elle en est où, là? Thérapiste, elle est déjà bien. On va voir pour vendre un rapport, c'est niveau 15. Mais Peacekeeper, c'est niveau 14, tu vois. Esquire, c'est niveau 15. Jaeger, on va avoir du mal à le monter. Alors que, à mon avis, on va vendre un peu à rapport, là, maintenant. On va vendre un petit peu à rapport. Parce que, mine de rien, il nous manque 400k. Et donc, c'est important. Je sais que ce que je vends ici, les gars, ce n'est... je crois qu'il le faut pour sample, celui-là. Je me rends bien compte que je vends à perte, les gars. Vous devez pas me le dire. Je sais, c'est fait exprès. La raison est très, très simple. Et maintenant, Jaeger, ici... ça, je peux en vendre un. En vrai, je vais vendre les deux, les gars. On s'en fout de la chaufferie. On va en garder, on va en garder un. Je sais plus si je l'ai rangé ou pas, l'autre. Et ici, je crois que je peux me séparer de ça, de ça. Et là, on est pas mal. Maintenant, on va manquer d'espace. Mais si je fais un rangement auto, on est déjà pas mal. Ce que je vais voir ici... Ah non, il fallait qu'on vende le... On va vendre à Peacekeeper le rooster. On va refaire un rangement auto. Et maintenant, ici en bas, je peux vendre ça déjà. Ça, je vais le vendre un peu à skieur. J'essaie de monter un peu différentes personnes. Et là, on est à 1 300 000 et on arrive au stade où il est temps de se poser la question. Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on n'achète pas? On va faire ceci, qu'on va vendre immédiatement. Voilà, et on va voir Praport. Il a des trucs pour moi. On va voir si quelqu'un d'autre a des trucs pour moi. Non, non, non et non. Alors la FMJ, on va s'en séparer. Je vais vendre aussi à Praport, les gars. Où est-ce qu'elle est? Elle est plus bas, hein, parce que j'ai pas classé. Ah, mais c'est de la FMJ comme ça. En vrai, c'est pas des mauvaises balles. Juste vendre la VPO qui prend de la place et les chargeurs que je peux racheter. Mais voilà, c'est ok pour l'instant. Je me tâte très très fort sur... comment je peux gérer mon espace. J'ai beaucoup de PST, on va jouer au 9mm pour l'instant. J'ai pas de PRS qui traîne, non, tout va bien. Là, un Ragman, on va vendre ceci. Je peux racheter les pacas. Je peux racheter les pacas. Voilà, là, on est vraiment bien. Et donc là, maintenant, on arrive au stade où on a envie de se poser la question un petit peu du « Est-ce que je l'achète ?» Et vous dites, de quoi est-ce qu'il parle? Je parle de la Lucky Scav. J'ai 1 400 000 roubles. Et je peux ici dépenser 1 100 000. Donc il me restera 300 000 roubles. Je vais évidemment l'acheter, chat. Être pauvre n'est pas un problème. N'oubliez pas que l'argent n'a que très peu de valeur. Ce qui a de la valeur, ce sont les cases. Et maintenant, je peux ranger énormément de choses là-dedans. Vous voyez que là, tout de suite, on va se faire une quantité d'espace qu'on appelle astrologique, chat. Une quantité d'espace astrologique. Je peux même ranger des objets médicaux là-dedans, mais pas tous. Certains objets ont les deux propriétés. Là, je peux rien ranger. Mais ça, ça va me permettre de pouvoir être un peu tranquille au niveau de l'espace. Et de vraiment pouvoir commencer à classer un peu mes objets. Me dire, ah ben voilà, là c'est mes clopes, là c'est ma bouffe. Ici c'est ceci, là-bas c'est cela. Genre, là c'était un peu compliqué pour moi de savoir où est-ce que j'en étais au niveau des cigarettes. Ben maintenant on va pouvoir le savoir. Donc on va mettre les clopes ensemble. On va mettre la bouffe ensemble, on va mettre... tous les trucs genre le LEDX par exemple, on va le ranger là parce qu'on va jamais le sortir. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va pouvoir mettre ensemble. Là, on fait un triple check de tout ce qu'on a. Je crois que ici, j'ai peut-être 2-3 trucs qui traînent aussi. Bah, j'ai le 4, évidemment. Et là, je peux faire ceci, ceci. Les wires, on va les garder. C'est pas inutile. Le POX, je suis quasi sûr que c'est inutile. Les meds, la seringue, la Wilson... Et quelques wires ici que je pourrais vendre aussi, mais pour l'instant c'est pas grave. Là je vais faire un sort et je vais voir que j'ai 1, 2, 3, 4 strikes, il m'en manque une. 1, 2, 3 Wilson, il m'en manque 2. Et 2 Marlboro, il m'en manque 3. Alors que je suis sûr que j'en ai laissé plein en raid parce que je pensais que j'en avais 5. Et maintenant, ici, je peux ranger l'ophtalmoscope, je peux ranger ceci. Et là, si je fais un auto-sort, j'ai pas forcément gagné beaucoup de place ici, mais un petit peu quand même parce que tous mes rigs sont vides en fait.
Et ça, c'est... bah, c'est pas rien, les gars. C'est vraiment pas rien. Je regarde un petit peu pour optimiser au mieux le rangement. Il y a des espaces vides. On pourrait faire mieux, mais c'est pas grave pour l'instant. On va prendre la boussole sur nous. On pourra jouer avec. C'est genre le truc que je vends à Jaeger, généralement, parce qu'elle se vend bien. Là, ce sera tout pour cet épisode-ci. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. On se retrouvera à l'épisode 6 tout bientôt. Si ça vous a pas plu, laissez un dislike. Y a pas de souci. N'oubliez pas de dire quoi en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.